Coucou les filles et les garçons. Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, on va dire, rangement. Donc je vais ranger mon coin make-up derrière mon dos. Donc j'espère que tout le monde va bien. Nous ça va, on vit avec le confinement. Les enfants, n'oubliez pas, restez chez vous. D'accord? Restez à casa zot. À stage, reste à casa. Reste à casa, reste chez toi. On reste à la maison, tous ensemble. Donc pour qu'on puisse nous lâcher les baskets, qu'on puisse sortir et courir, aller chez nos actions et tout ce qu'il faut avec pour vivre, aller au restaurant, aller travailler pour ceux qui aiment travailler. Donc voilà les enfants, n'oublie pas d'activer ta cloche parce que c'est vrai que je dis jamais ça. N'oublie pas de mettre un like et n'oublie pas de me soutenir, ceux qui savent comment on peut soutenir les autres. Donc voilà, donc moi ça va, les filles sont pas là, donc elles vont revenir bientôt. J'espère revenir bientôt et bien quoi, tranquille avec tout ce qui se passe dehors. Donc voilà, donc je vais m'occuper, il est tard, hein. J'ai passé une nuit blanche, je me suis couchée à 9h du matin, pourquoi? Parce que voilà, je suis décalée, j'arrive pas à me, à prendre mon équilibre normal, donc voilà, donc je vais vous montrer mon bordel qu'il y a derrière moi, et je vais faire ça, il est, je vous mens pas, il doit être, il est 21h33, et c'est maintenant que je veux commencer à ranger ce coin-là, parce que je suis motivée, et voilà. Le bordel que je dois ranger. Donc voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà les enfants, voilà. Ok, le coin là-bas, comme vous voyez. Et le lit aussi, je dois changer tout le drap. Tout le lit doit être changé. Donc ça, je ne vais pas toucher à ça pour l'instant, ni ça, ni à côté. Donc voilà. Et franchement les enfants, ça fait... Ça fait flipper. Donc, voilà. Je mets tout sur le lit puisque je suis obligée de tout laver après. Je dois retirer la poussière aussi un peu partout. Donc voilà les enfants, j'ai pratiquement tout retiré comme vous voyez. Il reste ceci, quelques éléments dans les tiroirs. Donc voilà. Donc j'ai les tiroirs ici qui sont remplis. Donc comme vous voyez, j'ai un deuxième truc comme ça que je peux bouger et déposer dessus, mais je ne sais pas si je vais le faire. Je réfléchis. Comme vous voyez les enfants, donc j'ai ceci pour désinfecter, enfin, pour passer partout, pour prendre les lingettes. J'avais pris ça chez Stokomani. J'ai ça, c'est un petit dégraissant, mais je m'en fiche. Je vais l'utiliser vu qu'il y a le fond de teint, il y a tout ça avec. Et je vais prendre les deux trucs lavettes là pour faire ceci. Donc je vais commencer par celui-là parce que voilà. Oh, qu'est-ce qui... Si ça marche mieux que les lingettes. En tout cas, ça sent bon. Hein. Donc, il y a des traces qui sont restées. Je vais voir si les lingettes le retirent mieux. Les lingettes sont super bien, même mieux que le produit. Franchement, vraiment mieux.
de la poussière partout, même en dessous. Ça, c'est un truc qui s'ouvre. Oh là. N'oubliez pas de me dire vos astuces de nettoyage ainsi que les astuces de rangement. Donc moi, j'ai à peu près à ma façon de le faire. Donc par rapport à ce meuble-là, peut-être je vais essayer de prendre celui qui est là-bas et de le mettre là. Comme ça, l'étage sera sur deux. Donc on verra bien comment ça va faire. Donc vous me direz si ça vous plaît avant ou après. Et vu qu'on allait dans le même lycée, je vais aller dans le même lycée. Du coup, je dis vas-y, prends ça, comme ça on va être dans la même classe. Là, les enfants, je voulais mettre les deux tiroirs une sur l'autre, là, comme vous voyez, mais c'est pas possible parce que j'arriverai pas à allumer la lumière de mon truc, donc ça me dégoûte un peu. Donc c'est dommage, donc je vais le remettre à sa place. Je suis triste. Galère, il fait froid. Les enfants, j'ai mis mon pull parce que là ça caille dehors, il y a beaucoup de vent. Donc mes palettes, celui-là est super sale, presque terminé. Ah non, c'est pas celui-là. Oh my god, c'est ma palette. Oh là là, dégueu. Je crois que c'était la palette rose qui était là. Donc là, c'est un truc spécial papier que j'utilise pour mettre mes palettes. Donc toujours les mêmes palettes. Je pense qu'ils doivent être déjà périmés. Hein. Ça, avant, c'était mes cotons-tiges qu'il y avait dedans. Donc, vu que j'ai changé, je vais mettre autre chose dedans. Ça, je vais éliminer ça de la chambre. Au début, il y avait mes blenders. Donc, je ne vais plus mettre les blenders. Je vais les laisser là-dedans. Je dois les laver. Elles sont sales, hein, mais je les mets quand même. Donc, voilà. Comme ça, ils seront dedans. On appelle ça une malédiction. Les trois jours, c'est que j'ai du matin. J'ai pas terminé. Les yeux en train. Et je suis obligée de terminer parce que mes verres et mes yeux ne pas le remonter. On a des amis. De toutes les manières, avec mon allergie, je ne pourrais même pas dormir dans ma chambre ce soir. Abusé. Récurer. Bon, les enfants, il est 5h du matin. J'ai presque fini. Quand je dis presque fini, c'est presque fini. Mais bon. Moi qui dis que j'ai presque fini. Hein. Donc là, je vais remplir mon truc de coton-tige. Franchement, c'est abusé. Hein. Donc voilà, donc, vous mettez comme ceci. J'espère que ça va être pratique. Parce que j'en avais un autre. Je suis folle. J'avais celui-là qui est super, hein, mais il s'est cassé ici. Bon, je pense qu'il y a moyen de le réparer, hein, mais pour l'instant, voilà, il est cassé.
Donc, je ne vais pas le jeter. Je vais voir si j'arrive à la réparer. Donc, entre-temps, je le remplace. Et les cotons-tiges là-dedans. Donc, est-ce que j'aime le fait que les cotons-tiges, on touche tout comme ça? Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas des trucs pour mettre les cotons-tiges de travers. Celui d'action, là, où on met les cotons-tiges de travers, les cotons-tiges peuvent pas être droits parce que c'est trop petit la boîte. Franchement, c'est abusé. 5 h du matin, l'hôtel est en train de nettoyer sa chambre. On est décalé comme jamais, les enfants. Dites-moi si vous dormez tard ou si vous dormez, si vous êtes resté comme d'habitude. Mais il va falloir que je sois, que je me règle et que je règle les filles aussi parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. Donc voilà. Donc ça donne ça. Donc je l'avais acheté chez Ziman. 6 h 30 du matin. Je crève. En sachant qu'il faut que je fasse le lit et qu'il faut que j'aille me doucher. Il est 6 h 30 du matin. Franchement, c'est abusé. Donc là, il faut que je change le lit vite fait. Je crois que je vais tourner le matelas parce que je pense qu'elle a déjà pris trop de poussière là. J'ai pas envie de crever là. Me donne des coups de courant. Sais pas si on va l'entendre. C'est arrêté. Ah, oh, putain. Je suis KO. Donc là les enfants, j'ai terminé mon lit. 6 h 46. Donc voilà. Donc ma housse de couette est fatiguée. Hein. Bon, ça se voit pas, mais bon, elle est fatiguée. Donc je vais mettre la couverture, même si c'est l'heure de dormir pour moi. Donc là, tout est terminé. Ma couverture est mise, mais demain, je vais la rabattre. Les filles, je vais passer la serpillière parce que là, je ne veux pas aller dormir comme ça. Je vais passer la serpillière, je vais faire la vaisselle et après, je vais me doucher. Donc là, je vais m'arrêter sur ce. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Donc, gros bisous. Je vais vous montrer le résultat soit la prochaine fois ou soit sur cette vidéo-là. Donc, bye. Regardez ma tête. Bye.